Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Et nous devions rentrer au camp, je vous rassure, il est juste à côté parce qu'on avait reçu une lettre bien étrange. On ne sait pas ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle risque de m'envoyer bien plus loin que ce qu'on peut penser évidemment. Et j'ai failli me retrouver avec une barre en bois entre les coronets, si je puis me permettre cette petite expression. Hey, listen! Arthur! Oh, Arthur! Now you seem in a good mood. I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Great. So everything's going to be okay. Mr. McGuire, Uncle Sean is back. So come on! And don't you worry, Miss Grimshaw, you old crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. Did you get a bump on the head? And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now Deadeye McGuire's back. Et ils m'ont pas attendu en vrai, ils font déjà la fête, et ça c'est plutôt cool. C'est quoi lui? C'est quoi sa comédie encore à lui là? I love you bastards. Have fun. Have lots of fun. On. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. La bande célèbre, le retour de Sean. Elle ne sera pas disponible pour d'autres activités avant quelques temps. Très bien. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, eh ben, on n'a plus de mission. So, what now? Come on. How about a song? He'll be drinking till dawn now, I bet. Oh, let him have Listen, some my fun. Friend. He's been through a lot. Do you know the Louisville I thought you Irish enjoyed a party, Molly. I am enjoying it. I just don't need to fall over drunk with the rest of them. Yeah, that's the one. You know this one, don't you? Go join in. Finally, some good news. Mais c'est quoi tout ce bordel? Je peux chanter? I put my hand upon her toe, mark well what I do say. She says, just my man, well, for to take a little all day. I put my finger on her knee, mark well what I do say. She says, young man, you're rather free for a diddle-diddle-diddle all day. I put my arm around her waist, mark well what I do say. She says, young man, you're rather free for a diddle-diddle-diddle all day. Put my hand upon her thigh, mark well what I do say. She says you're getting pretty high, diddle-diddle-diddle all day. I put my hand upon her ass, mark well what I do say. She says, let's play it out. Ok, on va arrêter de chanter. On va aller voir Dutch, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à me dire. Dutch, mon bro. Well, we got him. You did very well, all of you. And now we're stuck with. It's good to be back. I even missed you, you old bastard. And I missed a good excuse to celebrate. Me and you. Never need one of those, uncle. Il m'avait pété à ma place, ce bâtard. Bon, si on résume un petit peu la situation. Étant donné que Sean est revenu, on a fait la fête, donc, hein, avec la bande, évidemment. Et donc là, la bande est indisponible pendant un certain moment. Soit qu'il en soit ainsi. Je pense donc que le plus optimisé serait de faire quelques quêtes annexes pour ramasser quelques dollars. Et pourquoi pas effacer ma prime, bien évidemment, sur l'autre morceau du pays. Alors, on va partir. On va partir. On va voir tout ce qu'il y a de possible à faire. Maintenant que la fête est finie, je peux enfin aller voir la lettre qui, je pense, va nous amener à bien d'autres missions. C'est parti. Donc, dites-moi un petit peu ce que ça veut dire et ce que renferme, évidemment, cette lettre. C'est parti, elle est juste posée ici. Dear Arthur, on y va.
I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Oh! On a donc une Mary qui apparemment m'aurait croisé à Valentine, aurait croisé quelques filles de ma bande, et elle a pas osé venir me parler, donc nous allons aller la revoir. C'est une fille que je n'ai pas vue depuis maintes années apparemment. Nous avons John Marston ici qui dit « John souhaite vous parler » et nous avons Mary. J'ai bien envie, ça peut être super intéressant. Elle veut me demander mon aide. Ça peut être super intéressant. On va aller parler à Mary. Et puis après, on ira parler à John. Parce que cette lettre m'intrigue. Je ne sais pas ce que cela cache. Mais ça peut être très, 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 très intéressant. C'est parti. Direction le nord de Valentine. On y va au galop. Look at what we snagged. Dutch's dog body. Ok, c'est la merde, il y a un David guet-apens. C'est la merde de ouf. Ok, attends mon cheval. Ok, il est où? Il est là. Salopard. Ok. On m'a fait un guet-apens de ouf là, putain! T'avais forcément quelque chose d'intéressant là-dedans, toi. Ouais, 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 bien sûr que t'avais quelque chose d'intéressant. Bien sûr que t'avais quelque chose d'intéressant. Montre-moi un peu tout ça là. Plomb pour fusil, je prends. Médicament miracle, je prends. Ah bah, venez, venez plus souvent, les potes, hein, y'a aucun problème. Vous ne pouvez pas ranger tous les objets trouvés car votre sacoche est pleine. Personne peut fabriquer des sacoches avec une plus grande capacité, évidemment. Chose qu'on ira voir. Dans pas longtemps. Huile pour armes, je prends aussi. On reprend ça. Des galettes d'avoine, ça je prends. C'est pour mon cheval, c'est très intéressant. 4 galettes d'avoine. Allez hop, revenez plus souvent les potes. N'hésitez pas surtout, hein. Bande de petits salauds, hein. Vous allez récupérer de l'huile pour armes, qui peut être utilisée pour améliorer l'état de vos armes. Choisissez une arme dans la roue, évidemment. Très bien. Oh, tabac chic, ça c'est pas mal non plus. Il me semble que c'était assez abusé. Ça va mon pur sang, t'as pas trop pris ou pas? Ça va, il a l'air plutôt bien. Il a l'air en forme. J'ai eu très très peur pour être très honnête avec vous. Je pensais que j'allais y passer. Nous sommes arrivés à Valentine. Ouais, c'était un petit coup de Trafalgar qui m'a été tendu. Je vous cache pas que je l'ai un petit peu. C'est le Haut-Driscoll, hein, évidemment. Mais je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Direction le nord de Valentine. Donc on va traverser la ville pour aller voir cette Mary qui a l'air en détresse, mine de rien. À voir, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Là on a des quêtes secondaires, pardon, excusez-moi du peu. On en fera, si elle est intéressante, je vous montrerai ça en vidéo. Si elle ne l'est pas, je ne vous le montrerai pas, évidemment. On y va, c'est par ici. Marie, j'espère que tu ne tends pas un trape, parce que ça me ferait chier. Et vu qu'apparemment tu m'aimes bien, ça serait dommage qu'on gâche cette si belle amitié. Hop, c'est par ici. Putain, le jeu est magnifique en vrai. Genre, le jeu est tellement beau. Hop, voilà, ça c'est le petit saut, ça me fait plaisir. On y va. Mary, remets-nous des glaçons.
Mary, remets-nous des glaçons. Ouais, je chante un petit peu. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous nous aimions autrefois. Oh. Yes. Ah oui, d'accord. Well, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton, a caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I'm... my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined... the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Mais bien sûr qu'on va l'aider. Donc son frère Jamie serait entre les mains d'une secte. Donc oui, on va t'aider. Je t'ai aimé! Et regardez Arthur comme il est tout mignon face à elle. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. Oh! You already owe me. Une piperade peut-être. Allez, on va l'aider. Évidemment qu'on va l'aider. On veut gagner du respect par ici. Et on... fonce, je ne sais pas. Alors, déjà, on va voir vers... Oh, c'est pas à côté. C'est pas, si je puis me permettre, la porte d'à côté. Il serait par là. Marie a besoin de votre aide pour convaincre son frère Jamie de quitter la secte des Chéloniens, bien évidemment, et de rentrer à la maison. Ok, je ne sais pas ce qui va m'attendre. Je suis donc tout seul et je serai tout seul pour faire... cette petite quête des familles, mon pur sang se porte bien, je le régale de galettes d'avoine hors vidéo. Je peux vous dire que lui et moi, on vit un amour évidemment conflictuel. Mon pur sang ne fait que s'améliorer d'épisode en épisode. Et mine de rien, comme je vous ai dit, la plupart des épisodes, ça ne se voit pas. Mais vous avez une version finale, cutée, etc., etc. Mais c'est du Red Dead. Et Red Dead, je peux vous dire une chose. C'est que Red Dead, c'est long, d'accord? Sachez que chaque épisode que vous regardez, de 30 à 40 minutes, voire 45 des fois, demande une heure à une heure et demie de record, parce qu'il y a énormément de passages à retirer, et je vous retire beaucoup de passages pour pas que ça puisse être trop chiant et que ça paraît trop chiant pour vous. Je sais que vous aimez la balade, et que toute la magie de Red Dead, c'est aussi avant tout la découverte, mais vous inquiétez pas, vous ne loupez rien d'intéressant, donc pas
pas de panique, vraiment. De toute façon, je pense que vous me faites confiance. Allez, on y va. Il y a une dame qui a demandé de l'aide. Bah les couilles, frère. Là, on va aider déjà Mary. Et on va voir un petit peu où est Jamie, bien évidemment. Donc, et surtout la secte, à mon avis, je vais devoir me battre. Hein. Les gars, c'est une secte, hein. Une secte, c'est terrible. Déjà, à l'époque, c'était terrible. Quoi? Arrête la caméra. Mais... La vie de ma mère vient. Quelqu'un veut me tester encore? Quelqu'un veut me tester? Vas-y. Je déteste, hein. Allez, hop. Les gars, je suis désolé. Je déteste la violence animalière. Mais là, ils voulaient juste m'arracher, en fait. Ah, c'est des loups. J'embarque un loup, hein. Non. Ne pas vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Hop, on va juste le cuisiner. Ouais, bah les gars, Jamie va attendre. On va se cuisiner du petit loup, les potes, à la foutre. Ils ont voulu me provoquer. Ils ont voulu me clasher. Et ben, je leur ai montré où on était, bordel. Allez, on se retrouve juste devant Jamie, à tout à l'heure. C'est du bon gros gibier, sa mère. Ok, on commence à rentrer dans la zone où il y a Jamie. On va faire attention, on le dit à l'américaine parce que nous sommes en Amérique. Nous sommes américains, évidemment. On y est bientôt. C'est une nouvelle zone. Ça rappelle énormément un petit peu des terres désolées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des terres qui s'excusent. À chaque fois, elles sont là, bah, elles sont totalement désolées. Non. Ça rappelle un peu les terres désolées. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien dans ces zones-là. Et donc, clairement, c'est un no man's land, hein, on dirait. Hein. C'est un no man's land. Comment je vais pouvoir rentrer? Intéressant. Il y a un chemin ou pas? Il y a un chemin. Alors attention. Regardez ce qu'on va faire. J'ai sorti Akimbo, frère. Ok, c'est par ici. J'ai littéralement sorti les Akimbo. Comment ça fait stylé? Oh, c'est une belle secte, ça. Ils sont quatre, frère! C'est ça ta secte? Ok. Je pense qu'ils vont me donner une mission. Ok. Carapace de protection. Ils sont cinglés. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, j'ai envie de l'éclater. J'ai envie de lui tirer une balle dans la tête tout de suite, voir ce que Arthur, ça fait. I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Répondre de façon indécise ou impatiente. Allez, on va être impatient. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut. Are you always this negative and antagonistic? Je vais l'éclater, hein. Je vais l'éclater. Je suis à deux doigts de bouillir. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Ok. Parler de tortue. I have no idea. Ah bah oui, mais ils ont une tortue, yeah, turtles, hey. D'accord. You love turtles? I love them too. Turtles. Et c'est ainsi que fut inventé les tortues ninja. Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then... Make up your mind! Ok, bon, c'est parti. Leave me alone, Arthur. On y va, on va essayer de le choper au lasso.
Oh putain, attendez, parce que là, ça va être terrible. Ça va être terrible, ça va être terrible. Ok, bah oui. Beaucoup trop court, beaucoup trop court. Aïe! Ok, je suis passé de justesse. On peut tourner en dérapant, damn! Je peux drifter avec mon valcheux. Il est parti où? Il est parti où? Aïe, aïe, aïe. Arrête. Je le rattraperai jamais. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai confiance en moi. Ok. Jimmy! Allez, allez, allez. Comment voulez-vous que je rattrape? Il va beaucoup plus vite que moi. Allez, allez, je tabasse ma touche. Ok, bon, ok. La vie de ma mère, je déteste. Encore une fois, la violence animalière. Je peux pas tirer dans son cheval? C'est quoi ce délire? Ok. Ok. Wesh! Wesh! Allez! Je suis Keblo! Oh, ça arrive qu'à moi! J'ai rien fait, je me fais agresser, c'est terrible! Bon, alors là, pour le rattraper, mon pote. Après, normalement, l'IR ralentit, évidemment. J'y arriverai jamais, c'est terrible. Ah non, mais même pas en plus, hein. Mes couilles sur son front, ça fait un dindon, hein. Y'a rien qui a été ralenti, hein. Bah oui, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Bah oui, il s'est enfui. Il s'est enfui. Putain, je le rattrape pas, les salauds. Ah, ils m'ont laissé aucune chance. Jamie, franchement, il abuse. Je sais pas c'est quoi son valcheux, frère. Mais c'est pas du flocon d'avoine, hein, qui bouge, hein. Allez, on est reparti, c'est pas grave. Jamie, je vais te mettre ta part. Ok. Je peux pas tirer dessus. Je peux pas du tout tirer dessus. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Je peux pas tirer dessus, alors que faire? On va faire ça. Je vois pas du tout comment on va faire là. Je vois pas comment on va faire. Peut-être. Mais non, mais peut-être en fait le train va juste arrêter en vrai, non? Peut-être que le train va juste arrêter. On va attendre un peu et puis on verra. Ça sert à rien. Ça sert à rien, là, ça. Je peux pas le choper. Comment faire? J'ai l'impression de le rattraper un petit peu, mais pas vraiment. Il faut pas que je le percute parce que c'est quand même la sœur de Mary. Le frère de Mary, pardon. Eh, bon, c'est bon, on est en 2018 maintenant, on peut tout dire. Allez, arrête-toi, mon frérot, s'il te plaît. Oh non. Ok. Faut pas que je me loupe, voilà. Oh là là, j'y arriverai pas, beaucoup trop court. Ok, il commence à faire le tug. Donc jusqu'ici, je devais aller jusque là. Oh là là, mais j'y arriverai pas. Jamie! Le salaud! Please, Arthur! I'm a man now! I found something! A calling! You're just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! You're an outlaw! You leave me alone! They're good people! I'm warning you, Arthur Morgan! Leave me alone! Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I'm gonna...
I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Non, 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 c'est un canon scié là que j'ai. Frère, fais pas le con. Ok, c'est bon. Appuie lentement sur R2 pour remplir la jauge. Plus la jauge est pleine, plus vous avez le temps pour vous. Non ! Daniel ! Jamie, non ! Merde ! On l'a refait. Oh là là, mais il est con, mais il se fout en l'air ! C'est R2 alors que normalement... Putain. Là, on utilise R2, normalement on utilise R3, c'est n'importe quoi, ça change de touche comme ça en pleine mission. Ok. Ça dégage, hein. Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Oh, il est tout mignon en plus. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's Hop. All a long time ago, son. Nickel, hey. Allez! On le ramène à Mary et on va suivre la conversation parce que je pense qu'ils vont discuter. Il est très... Il a l'air très naïf, mais surtout très gentil quand même, le Jamie. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know... You taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shalonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on! I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Arrête de te merdifier. Vous sous-merdifiez jamais, les amis. Vous valez bien mieux que ça. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but... All right, go work in an orchard, then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and... What was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just asked me for a favor. You know Barry Lyndon's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. Here we are. She must be waiting inside. Allez! On va déposer le petit à la gare et on va voir un petit peu ce que ça a donné. Je pense qu'elle va lui proposer de carrément changer de ville au gamin. C'est parti, prépare-toi à descendre. Regarde, on dirait un hippie à l'ancienne là. C'est un délire. Non, impossible que tu t'enfuis. T'es trop débile. Bien trop débile. Allez, on va le déposer au Kamzer. Et on va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire. La Mary, mais en tout cas... Et mère redevable. Ah, quand on se rapproche des missions, on peut jamais courir, c'est terrible. C'est vrai que regardez bien l'attitude d'Arthur. Il est toujours
quand il est prêt à la voir un petit peu, tu vois, comme timide, Jamie. Nerveux. Jamie. Amoureux encore Come en fait. Home. Please, you've father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. You're... Oh, you'll never change. I know that. Ok, une petite gifle, totalement gratos. Allez, ça c'est pour Mary, hein. C'est cadeau. Elle me gifle avant de rentrer, juste... Tu sais, elle pouvait dire juste merci et partir, tu vois. Ou genre un petit... Je t'aime encore, ça fait plaisir. Non, non, une petite gifle et ça sent... I feel like the luckiest man alive and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but... Somehow I imagine I shall. Et bien voilà, mission terminée, nous nous aimions autrefois. Bon, on a une nouvelle quête, donc ça a débloqué de nouvelles quêtes dans la bande. Avant cela, on va faire, je pense, quelques courses, ça me paraîtrait pas mal. Alors, et ça serait pas mal aussi qu'on aille au camp et que l'épisode prochain, on agrandisse évidemment notre sacoche. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici? Sachant que je peux plus porter grand chose, c'est aussi très très chiant. Alors, feuilleter le catalogue. Ah oui. On va savoir très vite ce qu'il a à vendre. Fortifiant, munitions, chasse et pêche, peut-être des soins pour le cheval. Ça me paraîtrait pas mal. Des petits trucs assez cool. Restaure entièrement la santé de votre cheval et le renforce légèrement. Très bien. On a combien? 32$. C'est pas grand-chose en vrai. Ok. Que pensez-vous de... Ok, alors, les tenues. On s'achètera de nouvelles tenues bientôt. Je pense qu'on va en acheter plusieurs. On va en acheter un, deux et ça suffit. Je porte déjà le nombre maximum et c'est amplement suffisant. Bon bah c'est pas mal. Merci mon bon monsieur. À la revoyure. Est-ce qu'on va pas prendre le temps de rentrer calmement au camp? Je pense qu'on va faire ça. Vous savez quoi? Je prends mon cheval. D'ailleurs, on va le brosser un petit peu. Et on rentre au camp. Et on va tout simplement se faire une sacoche un petit peu plus grande. Bougez pas. Tornade. On va le caresser, nourrir. On va peut-être le brosser. Ça me paraît pas mal. On va le brosser calmement. Histoire qu'il kiffe un maximum, c'est normal. Voilà, le cheval m'aime un peu plus. Est-ce qu'on va le nourrir? Ouais, sympa. Allez, vas-y. Voilà, régale-toi un peu de foin, frérot. Et caresser, bien évidemment. On peut lui ordonner de fuir, c'est stylé. Allez, nous revoici au camp. Il y a déjà plus de réserve, il y a plus de nourriture. C'est terrible, on était bien niveau nourriture. Cagnotte du camp, on est à 100$. Je vais peut-être pas augmenter la cagnotte dans les prochaines missions. On verra, je pense qu'on a bien avancé là niveau camp. Bon, je sais qu'il reste encore énormément de choses à faire, mais chaque chose en son temps. On a les nids. Jouer au jeu du couteau. Ça m'intéresse pas spécialement. Ce qui va m'intéresser, c'est l'artisanat. Et voir un petit peu ce qu'il peut me faire. Oh non! Allez, viens ici. Amélioration d'artisanat. Fais-moi rêver, s'il te plaît. Sacoche. Et je ne peux pas. Augmente la capacité de transport des types de fortifiants. Acheter des outils de travail du cuir via le registre et améliorer le chariot de remède. Ok, j'ai donc deux choses à faire. J'ai pas mal de petites choses à faire. Il y a une bonne ambiance hein, ici. Hein. Il y a plus d'ambiance ici que dans les villes d'à côté. C'est quoi ce délire? Charles, 3$. Ok. Sean, 2$. Et John,
$1.50. Ok, vous êtes des putains de crevards. D'accord. Augmente la quantité ajoutée de médicaments miracles pour restaurer. Chariot de remède. Je crois que c'est ça qui m'était demandé. Augmente la quantité totale et ajoute du tabac à chiquer ainsi que des conserves de qualité. Je pense qu'on va acheter ça déjà. Hop! La qualité et la quantité de fortifiants disponibles dans le chariot médical ont augmenté. Vous pouvez payer pour regarnir le chariot médical quand vos stocks sont bas. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est pas mal. J'ai tout pris en première amélioration. Donc normalement on n'a plus d'excuses. Et là, relais de chevaux. D'accord. On peut acheter un poulailler, ça me paraît pas mal ça. Acheter un poulailler, ok. Les ragoûts du camp sont plus nutritifs. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? Oh, outil de travail du cuir, putain. Pour avoir accès à de nouvelles options. Bon bah ça c'est ma priorité. Prochain épisode, va falloir vraiment que je trouve un moyen de travailler le cuir. Est-ce que avec la revente, je peux pas, tu vois? Est-ce que je peux pas bicarver un petit truc? Peut-être au poker aussi, hein. Je vais peut-être pouvoir sortir un peu de pognon du poker. On va essayer de vendre. Ok, donner. Niveau médicaments, on est bien, on est dans le jaune. Bon, c'est pas blanc encore, mais donner un objet. Bon, allez, c'est pour le camp, les gars. $1, c'est pas ouf. Je sais que je peux revendre plus cher, mais c'est pas grave. $3. $4, on est pas mal. Ça monte, ça monte, ça monte. Je vais garder la montre boussée en platine pour voir un peu combien ça peut valoir dans le commerce. Ça me paraît pas mal. Ok. On est passé à $104 et il me manque $80, ce qui est une somme énorme. C'est qui crie? Fermez-la! Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère quand même que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle quête qui sera tout simplement la quête de John. A bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous, ciao, ciao.